Vous devez être gentil avec moi, vous savez. On sait jamais, je peux vous aider. Je pourrais payer votre note. Excusez-moi, madame. Merci. Me laissez, c'est pour moi. Non, c'est bon, je peux payer. J'insiste. Ok. On en est à 100 000, monsieur. Quoi? J'ai dit 100 000. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai dit 100 000, vous voulez payer, c'est ça? Oui, mais je ne savais pas que c'était une telle somme. D'accord, C'est bon, je vais régler. Apportez des mouchoirs. D'accord, madame. Merci. S'il te plaît, dis-moi que tu t'as ajouté. Je vous assure que j'aimerais bien. Vous auriez dû être là pour voir son visage quand il se levait pour partir. Il était tellement fauché. Il avait rien, mais il était mignon. Oh, le pauvre. Il va maintenant draguer des femmes comme lui. Non. Ça lui apprendra. La prochaine fois, il regardera où il met les pieds. Oui. Désormais, il va bien regarder les filles avant de jouer le boss. Maxime. Et comment va François? Oh, très bien. Il m'a appelé depuis Genève hier soir. À l'heure où je vous parle, je suis sûre qu'il est en route pour Bruxelles. C'est chouette. Alors, dites-moi, comment va le mania du Nigeria? S'il te plaît, n'en rajoute pas. Il est rentré au Nigeria, avec toutes ses attitudes. Oh, je pensais que vous vous entendiez bien. On s'entendait. On s'entendait tellement qu'il a commencé à s'entendre également avec les autres filles. C'est quoi le problème avec ce mec? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez les hommes? Ils ne cherchent que leur plaisir, hein? C'est sans doute ce qui les empêche d'être fidèles. Mais laissez-moi vous dire ce que je pense. Si un gars triche ou me trompe, en plus me suit partout où je vais, pour m'espionner, qu'il soit sûr qu'il est toujours dans mon lit tous les soirs et aussi dans mon compte bancaire à la fin du mois. Exactement. Marie? C'est ça, madame. Depuis quand elle a cette poitrine? En fait, j'ai... Tu as photoshopé ses seins? Juste un petit peu, madame. Je pensais que ça allait la rendre un peu plus sexy. Ah, donc tu penses qu'une fille n'est pas sexy si elle n'a pas des gros seins? Dis-moi quelque chose, Jean. Est-ce que tu souffres qu'on dise que les femmes ont les mêmes compétences que les hommes? Madame... Je te demande de sortir de mon bureau et enlève-moi cette horreur que tu as mise sur la poitrine de cette fille. Bien, madame. Sexy. Allô? Pourquoi mon téléphone fixe ne marche pas?
Une seconde, s'il vous plaît. C'est le service de maintenance. Je vous connais pas. Je suis un nouveau. Oui, la prise est juste là. Ok. Je reviens tout de suite. D'accord. Allô, mon chéri, comment ça va à Bruxelles? Ah, vraiment? Oh, c'est vrai, ça? Ah, t'es sérieux? Madame. Attends un instant, chérie, s'il te plaît. Ça fonctionne maintenant. C'est la prise. Elle avait un problème. Mais je l'ai réparé. Ok, merci. Vous pouvez y aller. S'il vous plaît, fermez la porte derrière vous. Oh, ça alors. Attends, excusez-moi. Attends, une seconde, mon chéri. Oui, madame, j'ai fini. Donc je pense que vous voulez me donner quelque chose. Vous donner? Oui, vous pouvez trouver quelque chose pour moi. Trouver? Vous êtes perdu? Pour boire. Donnez-moi un pourboire. Pourquoi je devrais vous donner un pourboire? Est-ce que j'ai pas payé mes frais? Désolée, madame. Allez, s'il vous plaît, vous connaissez le chemin. Ah, je pensais que j'avais mis les tickets dans mon sac. Bon, de toute façon, pas de problème. Les filles. Mm-hmm. J'ai des tickets pour une soirée extraordinaire. C'est vrai, ça? Ou quelqu'un comme Maxime pourra danser avec des hommes canons. Je sais que tu vas aimer. Attendez, attendez, les filles. J'ai quelque chose à vous annoncer. Ouais, vas-y. Je vais avoir un bébé. Sérieusement? Ouais. C'est merveilleux, ça. Merci. Oh, c'est bien. Alors, tu en es à combien exactement? Comment ça, à combien? De la grossesse. Oui. Mais qui a dit que quelqu'un est enceinte ici? Toi-même, tu nous as dit que tu vas avoir un bébé. Ça veut dire que je suis disposée et prête à avoir un bébé. Ah. Oh, alors, tu l'as déjà dit à François ou bien tu comptes juste le faire sans lui? Je lui ai pas encore dit, mais je vais lui dire pendant le dîner ce soir. Je suis sûre qu'il sera excité d'apprendre ça. Ouais. Ouais. Je suis sûre qu'il le sera. D'accord, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui te fait rire? Je viens de me rappeler la blague que Tony avait racontée l'autre fois. Mais de toute façon, tu sais quoi? On vient juste d'ouvrir un bureau à Lisbonne. Oh, vraiment? Ah oui. Félicitations, je suis super contente pour toi. Merci beaucoup. Mais je me suis débrouillée tout seul là-bas, toutes les nuits. Parle-moi un peu de toi. J'ai fini par convaincre Orange de sponsoriser la campagne. T'es sérieuse? Ouais. Vraiment? Oui, on l'a fait. Félicitations. Merci. Et ensuite, j'ai décidé d'avoir un bébé. Excuse-moi. Je pense qu'il est temps pour moi d'avoir un bébé. D'où est-ce que tu sors ça? On n'est pas prêt pour avoir un enfant, Michel. C'est maintenant que tu parles d'avoir un enfant. On n'est pas prêt, ma belle. Tu n'as aucune contribution à apporter, François. Moi-même, je m'occuperai de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit grand. Sacrilège! Pour quel genre d'homme tu me prends pour te laisser élever mon enfant, mon propre enfant, toute seule? Alors, qu'est-ce que tu veux au final, François? Dis-moi ce que tu veux. Je te propose qu'on reporte cette conversation à un autre jour. Ok?
Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Est-ce que ça te va? Je sais pas. Je peux pas, je... Je suis désolée, mais je peux pas. Tu sais très bien quel genre d'homme je suis. Alors, ok, je suis en train de faire le deuil de ma relation et je sais très bien, mais si c'est ce que vous souhaitez, c'est bon, vous pouvez y aller, ouais, c'est ce que des amis sont supposés faire. Parce que tu es prête à continuer seule sur cette voie, Michel. Évidemment que je le suis. Oh. Attends, attends. Et qu'est-ce que tu comptes faire sans la coopération de François? Tu vas adopter? Si je dois vraiment avoir un bébé, je vais le porter dans mon ventre pendant 9 mois. Très bien. Même avec ça, je me demande encore si tu comprends la note de service. Tu as toujours besoin de... je ne sais quoi, d'un homme pour féconder ton ovule. Ah. À quoi sert la banque de sperme, alors? Quoi? Oh. Bonjour, madame. Bonjour. S'il te plaît, tu peux remettre ces clés à Henri et lui dire d'aller réparer la poignée. Hé, Henri ne travaille plus ici, madame. Alors, qui travaille ici? C'est moi, madame. S'il te plaît, dans ce cas, rends-moi la clé. Merci. Tu pourras revenir plus tard pour réparer cette poignée? Ok, madame. D'accord. Vous avez une belle robe. Qui est-ce? C'est le réparateur. Une seconde. Entre. Où est la partie de votre corps qui... Je suis désolé, la partie de la porte qui s'est cassée. Je peux savoir ce que vous faites? Désolé. Je suis désolé, madame. Écoutez-moi. Je ne sais pas si vous tenez à votre boulot. Mais si vous continuez comme ça, je vais veiller à ce que vous le perdiez. Alors prenez ça, réparez ma porte et sortez de ma maison. J'ai fini. Vous savez, la plupart des gens sont atteints de graves maladies psychologiques. Excusez-moi. Je parle des donneurs de sperme.
Vous savez, on vérifie seulement leur appartenance physique et non leur état mental. Est-ce que vous voulez bien sortir de ma maison? Ok, je suis désolé. Je vais partir, mais je vous demande de faire très attention, sinon vous risquez de prendre le sperme d'un malade. Écoutez-moi bien. Premièrement, j'ai pas besoin de sperme. Ok, ensuite, mais je... Même si c'est ce que je veux faire, en quoi ça vous regarde exactement? Ok. Sortez! D'accord. Allez, plus vite! Faut vraiment que je trouve une porte de sortie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Ouais. Ah non. Je suis sérieux, ne ris pas. On devrait rester ici. Non, allons juste de l'autre côté. Ok. Ça va? Ouais, bien sûr. Je t'aide. Merci. Allez, doucement. T'aimes cet endroit? Ouais, j'aime bien. C'est beau. Est-ce que je t'ai déjà dit que t'es vraiment belle? Ah, oh, merci beaucoup. Tony, tu te rappelles l'année passée quand tu m'as demandé de te faire un bébé et que je t'ai insulté? Bien sûr, je m'en souviens très bien. C'est encore présent dans mon esprit. J'ai été surpris quand tu m'as rappelé l'autre soir. Hein. Tu m'as vraiment rappelé, après avoir passé toute une soirée à m'insulter. Ouais, je suis désolée. Pas de soucis. Je suis prête à faire un bébé maintenant. Comment? Important ton bébé. Tu es sérieuse? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a emmené à changer d'avis? Ta maman ne t'a jamais dit que les femmes changent d'avis comme de chemise? Ok. Bien sûr, ma chérie. Alors, on se croise demain à la banque? Attends, c'est à la banque, tu veux qu'on fasse la mort demain? Faire l'amour? Tu dis qu'on va faire l'amour? Mais tu viens de dire qu'on doit se rencontrer à la banque demain. Oh, il s'agit de la banque de sperme, c'est de ça que je parle. Hein? Attends. Tu pensais qu'on allait faire l'amour? Oh non! S'il te plaît, arrête de rire. Vous savez quoi? Je sais qu'il est beau, mais le gars était trop confiant. Ça me fait trop rire, je pouvais pas m'empêcher de rire. Oh, je sais, je te connais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire à présent? Je continue de chercher. Ah, ma chérie, tu vois, je pense qu'il doit avoir des vrais mecs dans cette ville qui sont prêts à faire une chose pareille pour moi. Bien sûr, je t'assure, tu as tellement raison que c'est le contraire qui serait étonnant. Mais le fait est que... ils vont probablement tous vouloir le faire à l'ancienne. Non, non. Ils sont pas tous comme ça. Je suis sûre que je peux trouver un homme qui ne m'obligera à rien du tout. Continue d'espérer, ok? C'est bien. Montre-moi un homme qui est prêt à te donner son sperme gratuitement. Et je te montrerai une fille vierge à la maternité. T'es pas gentille du tout, toi. Ah, attends, t'es prête à parier? Non, mais d'accord, si tu veux, on parie. Ok. Conclu. Top là. Top là. Je vais prendre ce parcours. Ok, non. Je t'assure que c'est moi qui vais gagner. On verra. J'en suis sûre. Pour l'amour du ciel, c'est du jus de fruits. Je peux savoir pourquoi elles sont nues. Mais madame, nous sommes en été. Alors parce que c'est l'été, elles doivent se promener toutes nues. Je pensais qu'elles auraient chaud. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, Jean? C'est une raison valable pour toi de leur faire des gros seins ou de les mettre toutes nues? Quand est-ce que tu vas comprendre que ce sont des ados? Jean, dis-moi, est-ce que tu veux te faire virer de cette campagne? Non, madame. Alors je te demande de te ressaisir. Crois-moi, une erreur de plus de ta part, une seule toute petite erreur, si ça se reproduit, je serai obligée de te faire partir. S'il vous plaît. Oui, Jean. Fous le camp de mon bureau. Dépêche. Alors... oui, bien sûr, vous serez rémunéré pour ça. Et combien? Non, je ne fais pas ça pour l'argent. Vraiment? Oui. Alors comment voulez-vous que ça se passe? À la banque de sperme, bien sûr. Je n'ai jamais fait l'amour à la banque. Je suis heureux que vous soyez venu vers moi, car je sais qu'une belle fille comme vous fait toujours ce qu'elle dit. Ouais. Tiens, t'as gagné. Ah, voilà une excellente nouvelle. Merci. Je n'ai jamais perdu dans ma vie. C'est quoi tout ça?
Ah, ma chère, nous avons parié. Mm-hmm. J'ai dit à cette jeune fille ici qu'il n'existait pas d'homme dans ce monde qui irait volontairement donner son sperme gratuitement sans toucher au butin. Hé, toi, je veux bien être damnée pour que tu sois la mère de mon fils. Je vous laisse. Oui. Youpi! Ma chérie, ça y est, le tien. Non, c'est ce qu'il nous faut. Allô? Ok, laissez-le entrer. Bonjour. Bonjour. S'il te plaît, assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu m'as dit ça, je me suis retirée. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à ta décision. Oui. Très bien. Donc tu te rends compte que ce n'est pas le moment de... Ce n'est pas le moment de prendre une telle décision. Je te suis pas. Je parle d'avoir un bébé. J'espère que tu as abandonné cette idée maintenant. Pourquoi je devrais abandonner? Pourquoi veux-tu faire ça? Est-ce que tu aurais mis de côté notre relation? Pourquoi est-ce que tu veux détruire ce qu'on a construit? Toi, François, tu es en train de tout foutre en l'air parce que tu accordes trop d'importance à ton job. Tu sais que ce n'est pas vrai, Michel. On pourrait avoir des enfants un jour, mais actuellement les choses ne sont pas... Et quand est-ce que ça ira? Quand la situation sera plus stable. On pourrait faire beaucoup de destinations avec le bébé. Lisbonne, Londres, Paris. À tout moment. Et on pourra avoir beaucoup d'argent et manquer de rien. Je sais pas, François. Je sais pas. Je veux vraiment avoir un bébé maintenant. Ok, dans ce cas, ne compte pas sur moi. Tu n'as qu'à t'occuper du bébé toute seule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Sors de mon bureau. Calme-toi. Sors de mon bureau, sinon j'appelle la sécurité. Fous le camp, allez. Écoute-moi bien. Tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Tu seras tellement désespéré que personne ne voudra de toi. Et c'est là que tu reviendras vers moi en rampant. Quoi? Oh, qu'est-ce que c'est romantique, romantique, romantique. Doucement, romantique. Doucement. Non, ça va. Non, non, non. Je vois que tu vas bien. Oh, attends. Je suis super lucide. Oui. Attention. Je suis... Oh, dis donc, on a bu. Hein. Oui, je vois Je vais ça. Très bien. Ok. Allons-y. Cette clé n'est pas à toi. C'est bien votre J'ai clé. J'ai besoin de ça. Non, non, non. Ok. Ok, on y va. Allons-y. Non, ça va, je peux marcher. Oui, je vois que tu peux marcher. Ouais. Mais je veux juste vous... Je peux passer là. Oh, non. Non. Vas-y, doucement. Alors, non, mais ça va, mais j'ai rien, je peux marcher, je peux marcher, mais j'ai rien bu du tout. Allez, on se lève là, C'était des frites et du poisson. Aide-moi, c'est un peu, aide-moi, allez, on avance. Non, j'ai rien, c'est pas mon genre. Je t'ai dit que j'ai pas bu, parce que c'est pas mon genre de boire, non. Oh, désolé. Mais on y est. Doucement. Tenez-vous debout, doucement. Doucement.
C'est là. Ouais. Arrête-toi. Oh. Oui. Allez, vas-y. Doucement, doucement. On y va tout droit. Ouais. Voilà. Ou bien vous êtes impuissant. Quoi? Parce que tous les hommes que je rencontre sont soit gays, soit impuissants, soit mariés. Je ne suis pas marié. Et en plus, je ne suis certainement pas gay. Ah. Alors... donc... Oh, vous... tu... tu es impuissant. Voilà ce que tu es. Oups. Crois-moi, je ne suis pas impuissant. Et si tu es prête à essayer, je suis prêt à te le prouver tout de suite. Toi, tu m'as aimé depuis le premier jour. Mais je parie que t'as fait beaucoup de rêves coquins sur moi. Oui, tu l'as dit. C'est vrai. Dis la vérité. Tu as beaucoup espéré. Allez, dis la vérité. Et rien que la vérité. Tu vas tomber. Allez. Bonjour, ma beauté. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Je me réveille à côté de toi. Ah, sors, sors! Sors de ma chambre, lève-toi! Oh, y a pas eu ça, j'espère. Dis-moi, dis-moi qu'il s'est rien passé. Je ne comprends pas ce que tu te demandes. Oh. Si c'est au sujet du sexe, alors là, oui, on a fait l'amour. Oh non, oh non! Oui, c'est ça, t'as dit juste. Sors de ma chambre, sors! Sors! Mais... sors maintenant, tout de suite! Va-t'en! Allez, à dehors! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Comment ça a pu se passer? Comment j'ai pu faire l'amour avec lui? Bonjour. Salut. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier soir. J'étais ivre et complètement hors de moi. Mais je suis une adulte, donc j'assume toute la responsabilité. Mais je voulais aussi que tu saches que non seulement ça ne va plus jamais se passer comme ça, mais je ne suis pas intéressée par une relation. Est-ce que c'est compris? Oui. Parfait. Allez, salut. Salut François. Bonjour Michel. Salut. Je ne pensais pas te revoir de si tôt dans cette maison. François, je suis désolée, voilà. Tu avais raison. Je suis vraiment désolée. Je me suis laissée emporter par cette idée et j'ai vraiment pas pu me contrôler.
J'avais raison encore une fois. Je voulais juste que tu comprennes. Ce n'était pas le moment, c'était carrément mal choisi. Tu étais tout simplement à côté. Oui. De toute façon, le passé, c'est le passé. Je suis content que tu sois revenu. Tu es saine et sauve. Mon bébé. Laisse-moi te faire plaisir. À propos du bébé... On attend le bon moment. Et c'est quand? Je sais pas. Pas avant que François ne soit prêt, en tout cas. Michel, est-ce que ça va? Oui, pourquoi? Parce que d'habitude, c'est pas comme ça que tu réponds aux questions. Eh ben, faudra t'y faire, les choses changent. Excuse-moi. Pardon. Ah, c'est François, il faut que je parte. À plus tard, les filles. Salut. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'elle s'est réconciliée avec cet homme et qu'elle n'est pas sûre. Max. Non, c'est pas possible. Je connais très bien Michel. On dirait plutôt que François l'a convaincue d'abandonner cette idée de bébé. Si elle pouvait sauver son couple, je m'en fous. C'est ce que tu penses? Oui, bien sûr. Attendons de voir. Peut-être... Non, non, ça va, je l'ai. Pourquoi est-ce que tu m'évites maintenant? Je t'évite pas. Oh, bien sûr que tu le fais, je le vois. Et chaque fois que tu me vois, tu passes sur un autre chemin. Ou tu prends une autre direction, ou tu fais demi-tour. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Non, c'est pas vrai. Bien sûr que tu le fais. Écoute, si c'est à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière, on peut pas l'effacer parce que c'est déjà fait. Mais on peut passer à autre chose en dépassant ça. Moi, j'ai déjà dépassé ça. Oh, attends, dis-moi, t'as déjà oublié ça? Oui, cette espèce de viol que tu as commis. Quoi? Je t'ai pas violée. T'as perdu la tête? Bien sûr que si. Je dis que tu m'as violée. Non, pas du tout. Bien sûr que tu m'as violée. Tu as profité que j'étais saoule. Comment ça s'appelle, à ton avis? Non, je t'ai embrassée et tu m'as embrassée en retour. On a fait l'amour. Ça, c'est pas du viol. Pourquoi tu m'as embrassée? Ah bon? Pourquoi tu m'as embrassée? Encore? Hein? Écoute. Si tu continues de me suivre jusque chez moi, ça équivaudra à violer toutes les lois de ce pays et tu seras condamné à mort. François, est-ce que c'est beau? Oh mon Dieu! J'étais pas sûre que ça te plairait. Si, c'est vraiment joli. Tu l'aimes? Oui. T'en es sûre? Oui. Je suis rassurée. Écoute, je t'aime. Tu m'as manqué tous les jours que tu n'as pas été là avec moi. Tu m'as manqué aussi, François. Vous n'êtes pas sérieuse, n'est-ce pas? Si. Les autres examens n'ont pas été concluants, donc j'ai fait un test de grossesse et il est positif, alors que le test du PALU est négatif. Mais comment c'est possible? On s'est protégés pourtant. S'il vous plaît, écoutez-moi.
Les préservatifs ne protègent pas à 100% comme vous le savez. Il y a des chances d'échec. Est-ce que tout va bien? Faut que je m'en aille. Attendez. Oh, hey, mon attendez. Dieu. Alors je pense qu'après ça, il va falloir penser à aller à la fête des fiançailles. Ça ressemble à un plan. C'est ça. Mais comme tu sais, j'aurai pas beaucoup de temps parce que je dois aller à Genève pour mes affaires. C'est bon, chérie. Ouais. Je vais m'en occuper. C'est pas vrai. Marie-Claire. Oh, attends. Marie-Claire. Marie-Claire. Mais mon Dieu. Comment va, François? D'où viens-tu? Comment tu vas? Oui, ça doit faire maintenant plus de 5 ans. Comment bien tu vas? Bien sûr. Je t'embrasse. Oh. Wow. Ah, désolé. Mon bébé. Bébé? Je te présente Marie-Claire, ma cousine perdue. Je te présente Michel, ma fiancée. Salut Michel. Salut. Il y a longtemps, n'est-ce pas? Oui. Yeah, mon cousin. À propos, comment tu te prépares pour les bébés? C'est pas vrai. Bébé. Qu'est-ce que c'est? Tu ne lui as pas dit? Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit, hein? Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Je suis profondément désolée. Désolée, je voulais juste partager la joie avec vous. On verra ça plus tard, je t'appelle. D'accord, cousin. Prends soin de toi. Au revoir. Tu m'as menti. Tu es allé faire une insémination et tu me l'as pas dit. Non, François, c'est pas ça, c'est... Tu es en train de jouer à quel jeu, là? Dis-moi que c'est une blague. On s'est toujours protégé lors de nos rapports et tu veux me faire croire que je t'ai mise enceinte? Non, François. Non, écoute, c'est un malentendu. C'est pas possible. Comment oses-tu? Oups. J'ai frappé avant d'entrer. Ouais, pour voir si j'étais là. Donc c'est comme ça que tu rentres dans ma... Quand je ne suis pas là, n'est-ce pas? Écoute, je te tiendrai responsable si d'aventure quelque chose se passait ici. Calme-toi, Michel. D'abord, je te préviens que je n'ai pas assez de force pour faire du théâtre ce matin. Je suis juste venu voir comment tu allais parce que j'ai vu que tu n'étais pas sortie de chez toi depuis 24 heures. Ça te regarde? En réalité, ça me concerne pas. Exactement, donc maintenant dégage. Merci. Tu sais quoi? Ça ne me concerne absolument pas parce que c'est ce que tu veux que je ressente. Il y a déjà quelques mois de cela, j'ai passé la nuit avec... avec une dame. Une dame qui m'a donné le tournis depuis le premier jour où j'ai posé les yeux sur elle. Et je me suis réveillé tout confiant. Du genre, ma vie commençait finalement à avoir un sens.
Et elle m'a renvoyé de chez elle ce matin-là comme un vrai gigolo. Et pour elle, cela est arrivé, juste parce qu'elle avait trop bu. Alors écoute-moi, si après tout ça tu veux que je ne ressente absolument rien, je ne peux pas. Bon, écoute. Sache que cette nuit... Cette nuit m'a coûté 4 ans d'une vie de couple merveilleuse. Il l'a su. Comment? Comment il l'a découvert? C'était vraiment... Je suis désolé. Viens là. Je suis vraiment désolé. Est-ce que t'as mangé? Ok, ça va aller. Voici ton plat. Madame est servie. Merci. Ça te plaît? À vrai dire, je savais pas que ce serait délicieux. Merci. Tu diras plutôt merci à maman quand tu vas la rencontrer. C'est très bon. Merci. Madame Ayane a besoin de moi sur un autre bâtiment. Allô, Madame Ayane? Ok. Je viens dans une minute. Elle a perdu son chat encore. Donc, quand je t'appelle, tu... Est-ce que tu lèves les yeux au ciel? Non. Quand c'est toi, c'est comme ça. Regarde. T'as raison. À bientôt. Je passerai te voir plus tard. Ok, d'accord. Au revoir. Au revoir. De l'école me voulait. En fait, certains étaient même prêts à abandonner leurs honoraires, et ça juste à cause de moi. Waouh, t'étais vraiment beau alors. J'étais un vrai canon. Et les filles, je suis sûre qu'elles étaient toutes après toi. Qu'est-ce que tu en sais?
Alors, comment, après avoir fait tout ça, tu t'es retrouvée à faire de la maintenance ici au Cameroun? Bon, disons que mon père était un homme célèbre et un peu entêté. Il avait dépassé les bornes. Lorsqu'il a commencé à s'opposer au gouverneur d'État, il a été par la suite victime de plusieurs accusations. Il a été enfermé et tous ses comptes bancaires ont été gelés. Moi, mes frères et sœurs et ma mère, tous à la rue. Non, tu plaisantes. La chute de cette vie d'aisance était tellement violente que je ne pouvais plus rester sur le campus. Alors j'ai appelé ma tante qui vit ici au Cameroun pour venir avec elle. Alors, mais pourquoi tu n'as pas fait l'effort de finir au moins tes études? Tu aurais pu avoir un meilleur emploi. Oui, j'y pense toujours. Le temps d'économiser juste un peu d'argent. Waouh, il est déjà 10 heures. Il faut que je parte. Tu vas travailler demain? J'ai pas le choix. Je dois faire croire à mes camarades que j'ai été malade pendant tout ce temps. Oh, bonne chance avec ça. Pas de problème avec ça. Juste un petit tour dans le magasin et le tour sera joué. Hey. Alors, est-ce que je dois toujours continuer de faire comme si tu m'intéressais pas? Bon, moi, non, je prends celui-là. Ça met en valeur notre culture. Donc tu veux tout prendre, alors? Non, s'il te plaît. Ça, c'est tellement africain. C'est très original. Oh, je veux garder ça pour moi. Bon, de toute façon, on va parler de tout ça plus tard. Oui. Maintenant, dis-nous, Michel, est-ce que tu as rencontré un homme canon et intéressant? Non, pas du tout. J'avais pas le temps pour ça. C'était juste travail, travail, travail. Oh, que c'était ennuyeux. Comment va ta relation avec François? J'espère que lui aussi, il te rend heureuse. Je suis heureuse, oui, c'est vrai. La vie est belle. La vie est belle. Intéressant, arrête, s'il te plaît. La dernière fois qu'on t'a vue, c'était comme si t'avais perdu ton ange gardien. Et aujourd'hui, tu ressembles à une adolescente amoureuse. S'il te plaît, dis-nous la vérité. Je pense que l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse. Exactement. Tu sais ce qui compte dans une relation. Je t'en prie, cette fille arrive toujours à te faire gober ses mensonges. Tu es jaloux. D'accord, laisse-moi. Écoutez-moi, vous savez ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux, quoi qu'il arrive. C'est ça. J'ai commencé à travailler comme rédactrice et c'était la première fois qu'une rédactrice devenait directrice de création depuis que la compagnie existait. Waouh. Tu es très brillante. Alors tu aimes le boulot? Oui, bien sûr. Surtout à cause des gens complètement fous avec qui je bosse. C'est bien. Il se fait tard, je dois partir. Oh. S'il te plaît. S'il te plaît, reste. Passe la nuit avec moi. T'en es vraiment sûre? Ok. Ouais. Qui est-ce? Je voulais te préparer un bon petit déjeuner, mais j'ai pu avoir que des biscuits et du jus. Je suis désolée. Je sais. Je dois faire des achats. Oui. Beaucoup d'achats à faire. Maintenant, il faut que je parte avant que les voisins ne se rendent compte que j'ai dormi là. Ok. Ça te dérange pas? À plus tard. Hey!
Salut, pourquoi t'étais long comme ça? Madame Christie priait dans son appartement, donc je me suis assis dehors pour l'attendre le temps qu'elle finisse. T'es sérieux? Elle vient juste de finir. Oh, mon pauvre bébé, viens là. Tu attendais quelqu'un? Non. Laisse-moi voir, je reviens. Comment ça va chez vous? On va très bien. Je suis vraiment contente de vous revoir. Oh, tu nous as tellement manqué. En fait, je voulais vous dire que... Bonsoir. Est-ce qu'on a déjà rencontré ce monsieur? Oui. Mbangue, Maxime. Je vous présente Daniel. Il est mon homme à tout faire. Oui, je me souviens de lui. Ah, ok, les filles, allez, on y va. On a plein de choses à se raconter. Je suis impatiente. Ouais, c'est moi. Oh, tu te souviens du designer? Oui. Oh mon Dieu, il faut que tu vois sa toute dernière création. Sérieuse? C'est vraiment magnifique. Arrête-toi un peu. Je te dis, c'est indescriptible. Oui, donne-moi ta main, viens là. Viens là, viens, embrasse-moi. Ouais, je sais, vous aussi. Est-ce que ouais, ça va. Oh, t'inquiète. Tu sais, on est là pour la fête qu'on va organiser. Il faut qu'on soit divinement habillés. Est-ce que tu es déjà prête pour la fête? Attends, ne me dis pas que tu as oublié, hein? Non, je sais. S'il te plaît, regarde-moi par là, hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Daniel... Je suis désolée, Michel. Je pense qu'on devrait s'arrêter là pour aujourd'hui. Daniel, ne fais pas cette tête. Je suis vraiment désolée. Je sais que ce que j'ai dit, ça t'a blessé. Vraiment? Pourquoi est-ce que tu penses que tu m'as blessé? Tu n'as fait que dire la vérité. En réalité, je suis là pour la maintenance, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Tout est très compliqué en ce moment dans ma vie. C'est pas facile. Écoute, crois-moi, il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Comprends-moi, tout est très compliqué. Écoute, pourquoi ne pas venir chez moi pour que je t'explique tout dans le détail? Oh que non, Michel. Maintenant, tout est vraiment clair pour moi. D'ailleurs, t'es comme ça. Lorsque tu reçois tes amis, ils sont toujours plus importants que moi. Tu as toujours besoin de me rappeler ma place. Crois-moi, Daniel. Bonne nuit, Michel. Tu m'appelles demain? Occupé. Je vais essayer d'appeler au bureau. Oui, allô? Allô, j'ai essayé de te joindre, Daniel, mais je me rends compte que ton téléphone est toujours occupé. Allô, qui est à l'appareil? Moi, c'est Henri. Henri? Qu'est-ce que tu fais encore au bureau? C'est vraiment ennuyeux. Daniel a démissionné au milieu de la nuit. Et le patron m'a demandé de venir le temps de trouver un remplaçant. Imagine ce qui se passe. Il a démissionné? Oui, il est parti. Ce sont les enfants de Madame Ayane qui ont causé tous ces problèmes. Vous aviez besoin de quelque chose? Non, en fait, non, c'est pas si important. Je passe au bureau dès que possible. Ok. Alors j'espère que d'ici là, ils auront déjà trouvé le remplaçant. Dites-moi, vous pouvez me ramener quelque chose en arrivant? D'accord. Démissionné. Daniel. Oh, c'est vraiment bon, mais qui va pouvoir payer tout ça, hein? Maxime? Michel? Tu es en train de prendre du poids. Oh, tu crois? Tu as raison. C'est vrai, tu as grossi. C'est parce que... je mange un peu trop. Tu ferais mieux de surveiller ton poids, parce que je ne veux pas que François commence à regarder ailleurs, hein? Tu es enceinte. Ouais. Dis-nous la vérité. Oui. Et depuis quand? Oh mon Dieu! Tu l'as dit à François? Non. C'est pas lui le père. Oh, tu es allée à la banque. C'était celui d'Abel ou celui de quelqu'un d'autre? Non, c'est pas Abel, c'est quelqu'un d'autre. Eh bien,
Peu importe celui qui a donné, l'essentiel, c'est que je serai bientôt tante. Oh. Allez, mangeons. Est-ce que tu sais un peu quel genre de donneur c'est? Non, mais j'espère qu'il est gentil, beau et intelligent. Bien sûr, il sera beau et intelligent. S'il te plaît, s'il te plaît, mange doucement cette glace, sinon tu vas finir en larmes. Tu m'as entendu? Vas-y doucement. Je t'ai dit de manger doucement. Oh, donne-moi cette glace! Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, est-ce que vous savez où est Daniel? Daniel? Je ne pense pas le connaître. Ok, merci. Excusez-moi. Bonjour. S'il vous plaît, je cherche Daniel. Oh oui, il est à l'intérieur. Ah, ok. S'il vous plaît, vous pouvez l'appeler? Mais le mariage a déjà commencé. Le mariage? Vous savez que Daniel se marie aujourd'hui? Oui, évidemment, je suis au courant, merci. Ok, je vous en prie. C'est gentil. À plus tard. Au revoir. Michel. Daniel, je suis vraiment désolée, je savais pas que tu te mariais. Tu es enceinte? Mais tu fais quoi ici? Je suis venue te voir, mais je pense que c'est pas important. Pourquoi? Parce que tu te maries. Oui, je crois. Tu es enceinte. En fait, je suis venue au mariage de mon cousin. Là. La famille de la mariée est ici. Ils ont demandé à ce qu'on fasse une cérémonie avant. Oh. De laisser leur fille partir, rejoindre son mari dans sa vie. Ok. Mais comment tu as su que j'étais là? Tu vas pas me croire, je me suis introduite dans le bureau de maintenance et j'ai pu avoir ton adresse. Je suis allée chez toi, à ta maison, et on m'a dit que t'étais ici, donc je suis venue te chercher. Attends, tu t'es introduite dans le bureau de maintenance? Oui, j'ai forcé le bureau. Michel, ça va? Ouais, ça va très bien. C'est juste que... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je commence à perdre les os. Oh mon Dieu. Attends, doucement. Attends. Je viens de la nurserie. Le bébé te ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah, merci. Je vais l'appeler Daniela. C'est un plaisir pour moi. Michel! Oui, où est ce bébé? Elle est dans la nurserie. Oh, le bébé! Attends-tu! Oh, félicitations! Génial. Merci. Merci, mon Dieu. Mais où est le bébé? Elle est dans la nurserie. Oui. Daniel, s'il te plaît, viens ici. Maxime, Mbangui, je vous présente Daniel. Bien ouais, sûr, ouais. On sait, c'est un homme à tout faire. Rectification, c'est le père de mon bébé. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Ouais. Oh, juste ciel. Mon bébé. C'est vrai? C'est mon bébé? Oui. C'est mon bébé à moi, ça. Donc, c'est vrai, c'est mon bébé? Tu n'as pas fait d'insémination.